Merci Fanny Ruet. Qui vient de finir. Coucou les zouzous. Ça va? Ouais. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Ouh, je suis pas très forte. Ah bon? Moi j'ai fait la moitié de GTA Vice City sans comprendre qu'on pouvait monter dans les voitures. Ah d'accord. Je fais des courses poursuites à pied. C'est un talent. Et globalement, tous les jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus jeune, j'essayais juste que deux personnages féminins s'embrassent. Il y avait des indices. Mais cette semaine, je suis tombée sur un article de Vice dans lequel un journaliste raconte qu'il a pu tester un jeu vidéo qui sortira bientôt qui s'appelle I Am Jesus Christ. Wow. Et c'est un jeu où tu joues le rôle de Jésus. Et déjà, c'est super dur parce que si tu fais croix, il meurt. Et, pardon, je précise, pour toutes les personnes croyantes, que tout ce qui suit, ce sont des blagues. Si vous aimez la religion, c'est super, je vous envie. Même, ça doit être super de croire en quelque chose. Moi, je crois plus en rien, je suis toujours déçue. Genre, bête exemple, récemment, j'ai compris que les mecs de 30 ans en casquette, ils sont pas stylés, ils sont juste chauves. C'est vrai. Je suis désolée, c'est pas sympa. Si c'est vrai. De toute façon, j'irai en enfer. C'est ça, sûr. Ça roule des galoches à des meufs, ça part pour l'enfer. Hein. Fripa, zone VIP avec Hitler, Poutine et les gens qui écoutent leur musique sans écouteurs dans le métro. Et c'est pas la première fois qu'un jeu vidéo religieux sort. Il y avait notamment eu un équivalent de Pokémon Go catholique où on devait se balader dans les villes, non pas pour attraper des Pokémon, mais je cite, pour partir à la chasse aux saints. Et moi, les... Non, c'est moi. Désolée, c'est parce que j'ovule. Et déjà, il y avait eu un autre... Il y avait eu un autre projet du genre précédemment. C'était pas un jeu vidéo, c'était une application qui s'appelait Go Confess, qui géolocalise les prêtres dispo autour de vous pour une confession. C'est bien. Et j'adore l'idée qu'à 3h du matin, un prêtre puisse recevoir « Tu dors ?» Ça dépend à quel âge. Oh et non. Puis, t'inquiète, il n'y a pas école demain. Et puis surtout, j'espère que cette application, elle était directement reliée à la police parce que si ta confession, elle ne peut pas attendre la prochaine messe, t'as vraiment merdé. Genre, c'est pas un prêtre qu'il te faut, c'est un autre type en robe. Genre, un avocat, pas une drag queen. Genre, c'est super, mais il y a un temps pour tout. Et donc là, ce jeu, I Am Jesus Christ, ça m'a buté parce qu'un jeu vidéo où tu incarnes Jésus et où tu te retrouves à jouer tous les événements de sa vie, son baptême, ses miracles, sa crucifixion, sa résurrection, tout ça. Seul jeu vidéo où pour gagner, à un moment, tu dois mourir. Ouais. Quand même. Peut-être qu'il y a même des courses genre Mario Kart, tu dois tout faire pour arriver dernier, puisque les derniers seront les premiers. Et on pourrait trouver ça bizarre comme idée de jeu. Se dire qu'il y a peu de gens qui aiment et les jeux vidéo et Jésus. Mais c'est faux parce que les geeks adorent Jésus. Un mec qui baisse pas pendant 33 ans et qui reste coaché à un truc pendant des heures sans bouger, c'est un héros pour eux. C'est vraiment le geek originel. Et puis surtout, ce jeu sur Jésus, il m'a fait réfléchir. Parce que si Dieu existe et qu'il guide nos vies, c'est comme si on était un jeu vidéo pour lui. Donc déjà, ça explique le réchauffement climatique. C'est juste que sa console, elle surchauffe. Genre cette semaine, il fait dégueulasse, c'est parce qu'il vient de débrancher, rebrancher. Et puis surtout, ça voudrait dire que moi, au moment où je fais cette chronique, c'est juste Dieu qui joue aux Sims et qui se fait une carrière saltimbanque. Peut-être même que des fois, il y a des codes de triche. Genre si vous réécoutez cette chronique, il y a deux cheat codes blague de cul, un cheat code blague pédophile ultime. C'est facile, mais toujours efficace. Comme moi, plus un que l'autre. Et d'ailleurs, au fait, en écrivant cette chronique, j'ai réalisé un truc, c'est que Jésus ne fêtait pas Noël. Ben non. C'est dommage parce qu'il est prophète. Allez, ça c'était le cheat code blague nulle. Voilà, ce jeu il s'appelle donc I Am Jesus Christ, sortie prévue pour Noël. Et j'espère qu'à la fin du jeu, il y a deux filles qui s'embrassent. Merci. Fabien. Fanny en tournée en Belgique, en France, notamment à Lyon, Lille, Marseille, Paris. Ce sera le 27 janvier au Trianon.